Jamil Chadari rafle tout sur son passage. Démonstration faite lors de son passage à la 13e province parcourue. Après son speech, la population lui promet une victoire écrasante. Après l'incendie survenu dans l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante, de haut commandement dans la nuit de mercredi à jeudi, le président de la centrale électorale, Corneille Nanga, rassure de la tenue des scrutins ce 23 décembre. Vous le suivrez dans ce journal. Heureuse de vous retrouver pour cette session des nouvelles du journal de la campagne. Le numéro 13 à la présidentielle apporte son programme partout où il s'est décidé d'aller, même dans les coins les plus reculés de la République démocratique du Congo. Un seul objectif, toucher les cœurs de tout son électorat. Ce jeudi matin, le numéro 13 s'est rendu dans le territoire de Harou, l'un des territoires les plus peuplés du pays, avec des milliers d'enrôlés par la Commission électorale nationale indépendante. Le 13 décembre, ce n'est pas une simple coïncidence. Bavoua nanga ebele ekouta awa, parce que na komi le 13, ngai moko numéro 13, alléluia. Cité Oyo, soki bovote ngai président, et le kwaliboso, Harou ekozala ville. Nalali na Bunia. Nalobi après Bunia, na Saratu na koma na Harou. Harou eza territoire stratégique. Harou eza na biloko ebele po ezwa développement. Programme na biso ezali po population et se retrouver na gouvernance na biso. Ya liboso toko Saratu tozwa mbongo. Ya kotonga mboka na biso tozwa mbongo ya kotonga territoire na biso Harou mbongo ya kotonga province na biso bandeko boyeba bien que eloko ya liboso tokotia ya mutuya ezali po ya ba jeune ndenge botelemi awa misala ezali te tokosala tu ba industrie ekoma awa, même zela ya awa ti Bunia, il faut ezwa asphaltage. Nye nye. Ndenge na lobaki depuis Kinshasa, nous allons honorer fonction ya chef traditionnel. Toko honorer ba chef coutumier na biso. Territoire Oyo, il y a beaucoup de chefferies, c'est-à-dire c'est une chefferie où la coutume a un mot à dire. Nalobaki na programme Nangai, je vais mettre le chef de chefferie, le chef de groupement au centre du développement de leur juridiction. Nabino ba candidat, bino boza si manangai awa. So ki ba vote bino, bobo sa na population, nabino te. Et cette confirmation, Emmanuel Ramazani Chadari est attendu ce vendredi 14 décembre à Kisangani. Le décor est déjà planté. La population réserve un accueil chaleureux au candidat numéro 13. L'épouse du ticket gagnant du Front commun pour le Congo, Wivine Paipo, est arrivée ce jeudi à Kisangani à la tête d'une forte délégation. Je me trouve présentement à la place de la Poste dans la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
C'est ici, à cet endroit, que le candidat du FCC à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary, tiendra demain, vendredi, un grand meeting. Et demain, nous sommes en train de préparer un accueil très chaleureux pour lui. Et nous sommes en train d'espérer à la victoire écrasante. En tout cas, pas tout Dieu à Shadar. Tout quoi pas Dieu à Shadar. Moi, je suis à la Congo, je suis tout le monde qui est en train de se faire. Déjà dans la ville, le décor est planté. Banderoles, affiches, panneaux, visiblement, la base du Front commun pour le Congo s'impatiente d'entendre le discours du dauphin de Joseph Kabila Kabangi. Vraiment, tous les bisounions sont ensemble pour nous accueillir. Pona koyamba mwana na biso ya Congo yende to yebike no azam mwana ya Congo oyo président Kabila atie eliki na epana e to koyamba. Parmi les délégations arrivées ce jeudi à Kisangani, celle de Madame Wivine Paipo Ramazani, épouse d'Emmanuel Ramazani Shadary. Elle a été accueillie chaleureusement à l'aéroport de Bangoka. Jean-Pierre Liao, le candidat numéro 125 à la députation nationale circonscription de Bumba, se range en ordre de bataille pour la victoire du 23 décembre. Tout est donc parti par une mobilisation sans précédent lors de son déplacement à Bumba. Dans son message de campagne, ce dernier a communiqué pour un Bumba prospère et développé. Après un travail de terrain réalisé par les leaders de Bumba, dont Jean-Pierre Liaou et Bois, le candidat du FCC, le numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadary, a récolté un franc succès lors de sa descente. Ici, à Bumba, mobilisés, les Bumbatranciens ont accueilli avec joie le numéro 13, le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary, qui a communié avec les peuples de Bumba, de l'aéroport jusqu'au lieu du meeting, au stade, où l'attendait la population bumbatracienne pour entendre son message. La communication du candidat numéro 13 a été reçue 5 sur 5 grâce à un travail de terrain réalisé depuis Belle Lurette par le leader de Bumba, à l'exemple de Jean-Pierre Liaou Eboa, cadre du PPRD. Ngai sokola l'équipe président, Bumba est cause la priorité na ngai. Ngai na yebi Congo mobimba. Mais motema na ngai. Poko sabino te motema na ngai eza na Bumba. Bana ya Bumba na eko senga bino ba voix. Programme na biso ezali bilenge bazwa musala. Le candidat numéro 13, le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary, devra compter sur l'électorat de Bumba le 23 décembre pour la gagne. Promesse faite par la population de ces grands territoires qui se mobilisent pour porter le candidat numéro 13, le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary, à la magistrature suprême. Ainsi permettre au futur président de la République, Emmanuel Ramazani Shadary, de pouvoir matérialiser les promesses de campagne faites pour le développement du territoire de Bumba, grillé de la République. Et revenons sur le passage du candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle à Bumba. Emmanuel Ramazani Shadary a été accueilli avec joie et allégresse par la population dès l'aérodrome jusqu'au stade de Bumba. Le candidat du FCC a communié avec la population de ce coin de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, heureux de le revoir. Véritable leader du coin, le professeur Obebina Kunjalanjoko a pris ses responsabilités à main pour porter le nom du candidat numéro 13, le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary, à la base, dans l'espace Grand Bandundu. Première étape de son déplacement, Boulungu. Ici, le secrétaire général de la majorité présidentielle a communiqué sur les qualités intrinsèques du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadary, et donner les mots d'ordre. Natif de cet espace, le professeur Obebina Kunjalanjoko a demandé à ses frères et sœurs de porter leur choix sur les candidats du FCC, le numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadary, aux élections prévues le 23 décembre 2018. Nakikala ingango kalai technique,
Benouza Bandé, le 24 décembre, après vote le 23 décembre, na Noël, mon tout avant d'un président de la République, quel est Ramazan. Chez mes faisons les cortèges d'Abemina Koundjalandjako est plus d'une fois arrêté et c'est l'occasion pour lui de communiquer et donner les mots d'ordre. Votez Emmanuel Chadari, le numéro 13. C'est le cas ici à Mongata. Arrivé à Moussangoula, Ngouma est total, mobilisé par la députée nationale Antoinette Kipoulou, la population de Moussangou, chef-lieu du secteur de Massimandimba, a témoigné son soutien au candidat du FCC. Emmanuel Ramazani Chadari est promis d'obéir au mot d'ordre lancé par les leaders de l'espace Grand Banoundou, Obeminakou Djanadjoko, en leur demandant de voter le candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Chadari. Message reçu 565. Les Bangouachi ont promis de voter le 23 décembre Emmanuel Ramazani Chadari en respect au mot d'ordre lancé par Obeminakou Djanadjoko. Après Boulungu Mongata et Massimandimba, le secrétaire général de la majorité présidentielle Obeminakou Djanadjoko devra se rendre prochainement dans d'autres territoires. Question de battre campagne pour le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Chadari, ainsi galvaniser les troupes pour la victoire finale. Ilanga Bakona Rigen, candidat aux législatives provinciales, a limité à officiellement lancer sa campagne électorale ce jeudi. Une campagne à double enjeu. D'abord, celui de demander aux électeurs de cette circonscription de voter pour Emmanuel Ramazani Chadari, numéro 13, à la prochaine présidentielle. Ensuite, porter leur choix sur sa personne en votant pour le 112 aux législatives provinciales. SNDLS a crié des joies. C'est une marée humaine qui a accueilli Ilanga Bakonga Rigen à Limété, candidat député provincial numéro 112. L'homme bénéficie d'un soutien indéfectible auprès des électeurs de cette circonscription qui ne jure que par l'élection de celui qu'ils appellent affectueusement Ange de Limété. Maboko Pembe, numéro d'urgence, faisant allusion au 112, utilisé également comme numéro vert de la police à Kinshasa. Le tout premier sens, c'est de soutenir le candidat président de la République, numéro 13, Emmanuel Ramazani Chadari. Deuxième sens, de montrer à la face du monde que l'humanité est entre les mains du candidat numéro 112, Ilanga Bakonga Rigen, que je suis. Natif de Limété, le numéro 112 aux législatives provinciales ne ménage aucun effort pour persuader les habitants de cette commune sur les valeurs morales dont il est porteur. Lesquelles valeurs feront qu'il puisse bien contrôler le gouvernement provincial, les services publics provinciaux et locaux une fois élu. Les différents challengers des Ilanga Bakonga Rigen devraient en principe se disputer 2 sièges sur 3 attribués à la circonscription des Limété pour le simple fait que le 112 s'accapare déjà d'un siège. 112, numéro d'urgence aux législatives provinciales à Limété. Et je l'ai annoncé d'entrée de ce journal, il y aura bel et bien élection le 23 décembre des assurances du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, qui a calmé les esprits au cours d'un point de presse ce jeudi après l'incendie de l'un des entrepôts centraux sur l'avenue au commandement. Après une évaluation opérationnelle, la Commission électorale nationale indépendante va ramener des provinces les machines et autre kit pour la tenue effective des élections à la date prévue. Les Congolais qui aura élection, et nous l'avons annoncé, la CENI s'emploie pour que les élections se tiennent conformément à son calendrier. Oui, il est évident que lorsque nous faisons l'acquisition des matériels, nous prévoyons toujours des marges, qu'on appelle la contingence. Évidemment, c'est cette contingence qui sera mise à contribution, qui sera activé pour que Kinshasa, qui n'a plus de matériel,
aient la possibilité d'avoir ces matériels. Comment allons-nous activer cette contingence? Il faut dire que la contingence, c'est à partir des matériels qui sont déployés sur le terrain. Ainsi, ce qui était prévu comme surplus ou réserve, une partie va devoir être ramenée à Kinshasa pour son déploiement dans la capitale et couvrir le près de 8000 bureaux de vote de la capitale Kinshasa. Ce journal de la campagne est complètement terminé. Vous étiez nombreux à l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles.